Six mois après le passage du cyclone Irma sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le gouvernement et les deux collectivités territoriales se sont retrouvés pour la cinquième fois pour parler reconstruction et financement. L'État s'est engagé à hauteur de 500 millions d'euros minimum, soit 11 000 euros par habitant, sachant que sur cette somme, 163 millions ont déjà été engloutis pour couvrir l'aide d'urgence. Aujourd'hui, le gouvernement estime que tous les services publics essentiels sont désormais assurés. Il faut savoir que le coût du passage dévastateur d'Irma va sans doute dépasser les 3 milliards. Les assurances vont prendre en charge 1,83 milliard d'euros, le montant des dégâts qui étaient couverts. Les deux collectivités ont aussi présenté au gouvernement français leurs mesures pour préparer la prochaine saison cyclonique qui débutera en juin. Saint-Martin a notamment prévu de créer d'ici là de nouveaux abris pour sécuriser la population précaire. Ah, c'est bon, c'est bien.